Bon, Patrice, viens, viens, vite, 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 ça, c'est en train de filmer, là, non, c'est en train de filmer. Bon, et Patrice, tu viens de m'interviewer pendant de longues minutes. C'est vrai? Ouais, non, à l'instant, il vient de m'interviewer, là, pendant de longues minutes. Maintenant, dis-moi, toi, au Social Selling Forum, Paris, du 1er décembre, le 5e. Oh, bonjour, madame. Alors, bonjour. Comment allez-vous, ça va? Ça va. Attendez, juste une seconde, on est en train de terminer une petite vidéo émotionnelle. Oui. Au Social Selling Forum, Paris, du 1er décembre, t'auras envie de voir quoi? Ah, moi, j'ai envie de voir des gens heureux déjà, ou des gens qui s'aiment. Ouais. Ça, c'est ton truc, hein, que tout le monde travaille ensemble. Et j'ai envie de voir des gens qui parlent plus des autres que d'eux-mêmes. Mmh. Bah, c'est plutôt mon truc. C'est le moins possible parler de soi et le plus possible écouter les autres. Bon, alors, quel type d'atelier tu aurais envie de co-animer, toi? Ben, j'ai envie d'animer un atelier où on apprend à respecter les émotions de l'autre, à les comprendre et en fonction de ça, adapter son discours et sa posture. Et avec qui tu l'animerais bien? Ben, je l'animerais bien avec... comment tu m'as dit déjà? Non. Emmanuel? Emmanuel. Ah oui, c'est... Emmanuel, j'ai tourné un super vidéo avec toi la semaine dernière, c'est ça. D'accord. Et en fait, la part de l'émotion dans la décision, on sait qu'aujourd'hui, elle est essentielle, tu vois, c'est toutes nos décisions sont d'abord émotionnelles. Mais quand, une fois qu'on a dit ça, tout le monde se dit « Ah, je vais faire de l'émotionnel. Par exemple, je vais inviter mes clients à faire un tournoi de golf, c'est de l'émotionnel. » Non, en fait, l'émotionnel, c'est un truc qui se passe entre les humains. Donc, c'est pas juste dire « je vais faire de l'émotionnel », c'est être émotionnel, c'est activer son intelligence émotionnelle. Moi, j'aimerais que les gens qui viennent au Social Selling oublient un petit peu leur costume business, tu vois. Je vais l'enlever, il l'a enlevé tout à l'heure, alors attends, nous, on oublie notre costume. Et on est dans l'émotion, tu vois, on se dit des choses entre nous, mais on essaye d'abord de comprendre l'autre. On essaye de, comme on a bien compris, adapter ce que j'ai envie de lui dire. Par exemple, j'ai pas préparé mes questions tout à l'heure, t'as pas préparé tes réponses, bah, pour autant, on arrive à, parce qu'on se connaît, parce qu'on a fait l'effort de se connaître. Et c'est ça l'idée du Social Selling pour moi. C'est faire l'effort de connaître l'autre, de le comprendre et de comprendre son état émotionnel pour s'adapter à lui. Et quand on est en phase, le dialogue après est facile. Bon, bah c'est bon, vous avez tout compris. Alors je vais essayer de réécouter tout ce qu'il a dit pour venir. C'était pareil avec Emmanuel d'ailleurs. Pour préparer un atelier qui sera ciselé aux petits oignons. Ah oui. Tu co-animeras avec toute la passion qui te caractérise. C'est ça. Salut. Et venez tous. Venez tous au 1er décembre. C'est www. Ah non, ça c'est pour les vieux ça. C'est socialsellingforum.fr/Paris. Inscrivez-vous. À bientôt. Merci Loïc. Merci à toi.